Tu es en couple? Vous êtes en couple? L'international spiritualiste visionnaire Maître Dao pour la solution aux nombreux maux conjugaux dont plusieurs couples sont assujettis. Et pour la bonne réussite d'un homme, il faut d'abord la réussite de son couple, de son foyer. Et j'ai constaté que les foyers aujourd'hui sont commencés par avoir des problèmes, avoir des situations, des difficultés. Et j'ai compris qu'il est temps que nous vous orientons, nous vous donnons des directives à suivre pour ne pas connaître la honte ni l'échec. Le cabinet Dao annonce ainsi un séminaire qui se veut résolument le remède à tous ces problèmes qui entravent l'épanouissement dans les ménages. Stop et fin, tumulte, soubresaut, malcompréhension qui domine sous les toits. Et ces difficultés sont liées d'abord à la mauvaise compréhension de notre vie de couple. Nous avons beaucoup de choses que nous vivons, que nous ne savons pas d'où ces problèmes que nous sommes en train de voir, de subir, d'où ça provient. En premier lieu, je peux vous dire que ça est des esprits qui rentrent dans les couples, qui détruisent les couples. Des esprits qui empêchent les couples d'avoir la paix du cœur. Et quand ces esprits rentrent dans votre couple, ça vous détruit, ça détruit autour de vous. Beaucoup de parents ont failli. Je suis allé faire des recherches personnelles et j'ai vu qu'on peut finir avec ces esprits qui font faire que beaucoup de personnes ont connu aujourd'hui le divorce à 80 ans, à 70 ans. La grand-mère ou le grand-père décide de quitter sa femme ou décide de quitter son mari. Le pourquoi, quand tu demandes, je ne le sais pas. Ça ne vient pas colère, ça ne vient pas jalousie, ça ne vient pas, je ne sais pas, beaucoup de choses viennent pour que ces esprits, quand ça rentre dans ta vie, ça détruit ta vie. Et nous, on a décidé de faire la restauration des couples. On a décidé de faire un rituel de purification pour permettre aux couples d'avoir la paix du cœur, d'avoir le bonheur, d'avoir la santé, d'avoir le succès, d'avoir le bonheur, d'avoir tout ce qu'il y a de positif. Il est temps que vous ayez la guérison de ce mal qui ronge vos foyers, votre maison, qui a fait du mal au grand-père, au grand-mère et à toute personne que vous avez connue. Et la date de ce séminaire est connue de tous. Ce jour, c'est le 26 février, ce mois qui est le mois d'amour. Parce que le 14 février, vous voyez qu'on fête l'amour. Mais après le 14 février, on constate qu'il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de séparations du couple. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le mois de février, c'est le mois le plus fort qui est beaucoup frappé par ces esprits-là. Il y a un, les gens prennent femme à crédit. C'est vrai. Vous voyez, beaucoup de personnes ont pris femme à crédit ou ils ont pris mari à crédit. Oui, on va vous édifier. Le 26 février de ce mois, vous allez venir à ce séminaire. Vous allez sentir qu'on va essayer d'apprendre aux gens à garder la femme, d'apprendre aux gens à garder l'homme, d'apprendre aux gens les formalités qu'on remplit pour jouir d'une vie de couple amoureuse. Deux personnes se mettent ensemble, ils sont en couple. Mais si l'enfant sort, ils sont au foyer. Donc on va vous montrer la nuance entre le couple et le foyer et comment on se met ensemble. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir se mettre ensemble pour avoir une vie amoureuse durable et éternelle. La célébration de l'amour le 14 février oblige. Maître Dao met à la disposition de toute la population quelques-uns de ses produits. Nous avons lancé notre carte de vision. Qui est ça? Vous avez vu? Cette carte de vision sera lancée ce jour-là. Vous avez vu cette carte de vision? C'est là que tu colles la photo de ton mari et tu vas noter ce que tu veux pour ton foyer. Après ça, nous avons lancé un piment qu'on appelle piment du foyer. Piment qui lutte contre les mauvais esprits, qui empêche les mauvais esprits d'avoir accès à votre foyer. Tous ceux qui ont des problèmes au foyer, tous ceux qui ont des problèmes dans leur couple, tous ceux qui voient, qui vivent des difficultés, il suffit que vous nous appelez et qu'on va vous mettre ce piment à votre disposition. Vous allez l'utiliser. Ça chasse les mauvais esprits de votre vie. Ça chasse les mauvais esprits de vos foyers. Tous ceux qui ont connu leur femme est morte ou bien sûr leur mari est mort, il faut que tu te purifies. Il faut que tu enlèves les souillures de ce monsieur, de cette femme, de cet homme avant de faire une nouvelle rencontre. On va vous édifier. C'est des thématiques qu'on va développer le 26 prochain à partir de 10h au rôle des arts de Cotonou. Venez avec une bouteille d'eau. Et quand vous allez venir à ce séminaire, nous allons vous montrer les béabas, les secrets de la vie spirituelle, les secrets de la vie du couple. Plusieurs bonus à obtenir une fois accédé à la salle du Hall des Arts de Cotonou le 26 février 2022. L'entrée est juste à 2000 francs CFA et ça va vous donner droit encore une bougie spirituelle. Une bougie que vous allez allumer pour éteindre ou bien pour faire éteindre de votre vie les énergies, l'esprit négatif qui bloque votre destinée. Comme à son habitude, le spiritualiste visionnaire international Maître Dao prodigue de sages conseils et exhorte. Évitez de prendre femme à crédit. Si toi tu me regardes, tu as déjà pris femme à crédit, va faire juste la connaissance des parents. Parce que les énergies négatives de prendre femme à crédit fait que vous avez l'échec dans votre couple. Vous avez l'échec dans votre relation amoureuse, vous avez l'échec dans votre foyer. Deuxième chose, le pardon dans le couple. Si vous n'avez pas le pardon, vous n'avez pas la communication.
Quand on ne pardonne pas, on ne communique pas, on ne discute pas, on échoue dans un couple. On échoue dans une très bonne relation. Est-ce que tu connais ta femme? Est-ce que tu connais ton mari? Est-ce que tu connais celle ou celui avec qui tu es? Il faut que vous découvriez votre mari et votre époux. Je veux vous édifier par rapport à ça le 26 prochain à partir de 10h au hall des arts de Cotonou. Parce qu'il est temps que les Béninois puissent avoir la paix du cœur dans leur foyer. Le rendez-vous est ainsi pris. Maître Dao siffle la fin de cette récréation qui a longtemps duré au sein des couples. Le 26 février 2022 au hall des arts de Cotonou, venez massivement en tirer le meilleur des profits.